Cet ascenseur devrait me permettre d'atteindre le plafond pour sortir. Peut-être que les gants de l'électrocuteur pourraient servir à alimenter cette plateforme. Ah, il est mort. Oh, je pensais qu'on allait se battre contre lui. Ok, maintenant on a des gants électriques. À quoi ça sert exactement? Enfin, comment ça s'utilise? Alors, comment on dit ces gants? Allons voir dans le principal commande. Proxys, explique. Non. Les émulations, normalement. Bref, on va sûrement m'expliquer comment ça marche. Sympa en tout cas la cinématique. Campagne défi déverrouillé, héritage. Électrocuteur. C'est un barbare, je vous ai pas montré ça. Vous pouvez mettre pause si vous voulez bien. Le Joker aussi. Je pense que vous le connaissez, mais si vous voulez le lire un peu. Psychopathe, ouais, ça explique à peu près le caractère. Le personnage. Électrocuteur. Alors. Cette fois, bel et bien. Décédé. Ok, d'accord. Ils écrivent quand c'est... Capturé... Capturé. Donc, deux capturés, un décédé. Il en reste plus de 5, en bref. On va essayer de monter. Notre objectif, c'est obtenir l'accès à la suite. On va monter. Donc, le prochain, ce serait plutôt Pain. Hein. Sauf si... En montant, on se prend Firefly ou quelque chose comme ça. D'accord. On utilise pour charger. Stylé. Mais est-ce que ça va nous permettre de faire des trucs plus puissants? Vous avez trouvé le Joker, monsieur? Oui, il se trouve dans la suite. Je vois que vous avez suivi mon conseil. Une fois encore. Pas encore. Il sera difficile de l'atteindre. Les ascenseurs sont en panne et les hommes du Joker sont partout. Je suis sûr que vous trouverez un moyen de monter. Donc maintenant, on peut charger ces sortes de trucs, ok. Je me demandais à quoi ça servait depuis le début. Donc, sous-système électrique haute tension permettent... peut être utilisé conjointement avec des grandes électriques pour activer les fondements électriques. Donc ça, depuis le début, on en voit pas mal et je me demandais comment on l'utilisait. Maintenant, on le sait. Stylé. C'est parti. J'adore le mec, ce type sait ce qu'il se fait. C'est un peu Batman. Ça c'est fait. Hey, voyons voir qui Batman a fait venir ici. Tu sais que tu es un peu en retard pour le dîner. Heureusement, ton cher ami Bane a formellement refusé de commencer à manger sans toi. Apparemment, il préfère déguster ses plats froids. Salaud. Ah, qu'est-ce qu'il adore les télés, lui, le Joker. Chaque fois, il met 10 000 télés. Faut être sûr qu'on le voit bien. On est sur le deuxième étage. Alors, par où on doit aller? Non. Juste là. Ah, qu'est-ce que ferait Batman s'il n'y avait pas d'aération? Tour Est. Ouais, donc, map d'après moi... je sens... Oula. Ouais, ça paraissait pas stable. On va charger ça. Et on va monter. Ok, ça se décharge. De
pesant. Là, il devrait s'arrêter, non? Ok, je peux le recharger. C'est ce que je me demandais. Stylé. Merde, je redescends. Non. Ok. Je pensais qu'on pouvait genre remonter en haut, mais j'aurais dû m'en douter que c'était pour descendre. On est reparti pour un petit tour. Hein. Est-ce que je peux... Non, je peux pas le charger à moitié. Ah, je fais quelques tests pour comprendre les trucs. Dommage qu'on puisse pas faire de temps en temps des points électriques. Il faudrait qu'il y ait 10% de chance de faire électrocuter les ennemis, ça serait marrant. Il y a quelqu'un juste là, j'ai l'impression. C'est moi, il nous regarde. Est-ce qu'on peut... Non, attends. Dans ce Batman, on peut pas les pousser, c'est chiant. Ah, j'ai presque contré parfaitement la lame. Ou le lag. Ah, c'est chiant, quand on exécute au sol, on peut pas contrer. C'est toujours pas mort. Voilà. Pitié, me faites pas de mal. Tout va bien, je vais vous aider. D'accord, pitié, ils retiennent mes amis. Ils les séquestrent dans le bar panoramique. Où ils se trouvent? Le bar suspendu, entre les tours. Le bar suspendu entre les tours. Qu'est-ce que c'est que ça? Safari, ok, c'est une roue de la fortune avec quelqu'un attaché au milieu. C'est ça que j'aime bien dans Batman, parfois on peut prendre pas mal de temps à... Parfois ouais, on peut prendre pas mal de temps à regarder autour. Regardez-moi ça. C'est marrant parce que ça me fait penser à Enigma par contre. Plein de cadeaux de Noël. Par où on va aller? Par là. On va recharger ça. Il y a quelqu'un. Ça fait deux employés de l'hôtel sauvés pour toi et... Oh, bon sang. Je suis toujours largement en tête en ce qui concerne le nombre d'employés tués. Je Hop, sais salaud. Que toutes ces petites merveilles sont tentantes, mais ne t'avise pas de prendre un cadeau. Mais... C'est pas pour toi. 20 cadeaux. Je suis généreux. J'ai un cadeau spécial, rien que pour toi, là-haut. Et tu verras, il est entouré de plus de 200 kilos de gros muscles. Non, je pourrais d'avoir bien un cadeau. J'ai un nouveau catiette. Ok, voilà le bar parano. Là, panoramique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou c'est Deadshot, ça, non? Non, j'ai rêvé. C'est juste un sniper. Ok. On joue un point d'ancrage de l'autre côté. On va passer comme ça. Allons-y. Ok, si je me coupe pas, je crois que je peux l'éliminer. Oh merde! Ah non, c'est automatique. Oh oh, Batman, vite! J'en connais un qui va être flingué! Qui va être flingué. Ouh putain, tout réussi. On dirait que c'est toi qui va être flingué. C'est vraiment pas de veine. Comment on peut se couper de ce truc? Clenché par le mouvement, ok. Ouh. Ok, je vois. Ok, donc je crois que j'ai trouvé la solution. On peut utiliser brouilleur sur l'arme.
ce qui est logique puisque le brouilleur peut être utilisé pour désactiver les armes. On va faire ça. Eh bien, quel dommage. Enfin, pour moi, ce n'est qu'un super. Ok, parfait, ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a du monde là. Putain, mais laisse-moi tranquille. Je crois que ça va parler. Oh mon dieu. Ok, merci. Pourquoi il a pas coupé? Il va falloir le tuer maintenant. Pourquoi il contre pas là? Putain. On s'est saoulé. On va cogner un peu. C'est quoi son problème à lui? Ah, ok, on peut activer les gants électriques. Oh, stylé. Ok, on peut bien activer les gants électriques. Sympa. Où est-ce que Sionis a été chercher ces gars? C'est vrai, ce sont des grandes gueules, mais une fois sur une chaise électrique, ils se mettent à pleurer comme des fillettes. Crois-moi, j'ai fait des recherches. Alors. Attendez, j'essaye de réactiver les gants électriques. J'y arrive pas. On verra ça plus tard. Allons-y. Je sais pas pourquoi, j'essaie de contrer à un moment, ça marche pas. Parfois, je suis d'accord, c'est ma faute, mais là, vraiment, j'essayais. J'étais sûr d'être au bon moment. Je dois grimper au sommet de cette colonne de ventilation. Allons-y. On a joué à la bonne humeur. Black Mask a enfin répondu. Négatif, pas de nouvelles de lui depuis son entrée dans l'action. Cet enfoiré d'Isionis pense pouvoir nous ignorer. Et pour Gordon. On l'a envoyé sur une fraction dans le parc d'Arlaxon avant de venir. Mais il paraît que Rick Bay va en entendre parler. Bon, Ren, je suis presque. Parce que j'ai foutu là. Les pauvres SWAT croient que c'est toujours Black Mask. Ha. Les pauvres. Il va y avoir une mauvaise surprise. Ok, c'est ça que je voulais faire. Allons-y. On va essayer de se bouger un peu là. C'est un bon acrobat quand même pour aller aussi vite sur une corde comme ça. Parfait. Plus très loin, je pense. La fumée ici. On peut ouvrir ça. Ce qui va nous permettre de désactiver la fumée. Et passer en dessous. Et pourquoi tu descendrais pas ici pour surveiller? Et moi je te remplacerai un peu. Lui, il va descendre. Adieu. Yeah. Oh non, elle a accroché, dommage. Ah, Hitman, lui, ça serait complètement foutu. Ouais, ça me fait penser un peu Kill dans Hitman Absolution. Au tout début, dans le prologue. Le mec il dit, ouais, j'ai pas le cancer. Ou un truc comme ça, et Hitman a fait passer par la fenêtre. Je sais pas si t'es obligé, mais bon, la plupart des joueurs, je pense, ont fait passer par la fenêtre. Ok, il a l'air de faire froid. C'est ça, à mon avis, qu'il faut comprendre. C'est incroyable. Ils se sont vraiment surpassés dans cette suite de luxe. La salle de bain a trois savons différents. Franchement, qui a le temps de se laver dedans? Moi, il me suffit de sauter dans un bain d'acide et le tour est joué. Ah là là. Oh, pauvre mec. Électrocuté. Avec un masque de serre. On n'a pas assez de level. Qu'est-ce qu'on en est dans les levels? Ouais, il y a ça, voilà. Ah, on a un nouveau... On a déverrouillé ce truc. Gants électriques. Les gants électriques constituent un outil de compas, synthétiquement...
caisse là, là déjà. Au point d'efficacité des coups de grand électrique de 50%. Vos spécial tour. Technique de combat avancée vous permettant de gagner jusqu'à 2 mouvements spéciaux. Ok. Je suis pas sûr de comprendre. Votre maîtrise du combat au corps à corps vous permet de discuter un deuxième combo spécial si vous gardez votre premier mouvement. Continuez d'augmenter votre modificateur. Ok, le fait de disposer de deux mouvements vous permet d'enchaîner plutôt à la suite de maintenir la concentration même après avoir exécuté un. À tout moment, si vous perdez le combo, vous perdez votre chance d'utiliser ces mouvements spéciaux. On va prendre ça, ok. Si je comprends bien, on peut faire deux mouvements spéciaux à la suite. Tu aimes bien ce que j'ai fait de cet endroit? Ah, je sais, j'ai un peu abusé, que veux-tu que je te dise? Je suis un peu obsessionnel de temps en temps. Un vrai psychopathe. Tu as fait une sorte de... comment ça s'appelle, de manège? Ah, ok, putain, ça m'a fait stresser ça. À l'intérieur de l'hôtel. On amène les clients de l'hôtel. Bientôt, j'espère. Ça devrait pas tarder. Je vois pas. Aïe aïe aïe. Typique du Joker, ça. Ah, ils sont là. Ils m'ont vu. Coco. Comment ça? Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme cadeau? Un petit détonateur. Ah, oh, le culé. Je vais vous en donner un deuxième. Ce combo à 42. 45. Tu dois te demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? J'ai 1 minute 25 pour les sauver. Fuck. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Levier de freinage d'urgence. Ok, je les ai déjà activés, je crois. Non? Si, c'est bon. Et maintenant? Ok, je crois que j'ai un point d'ancrage maintenant. Putain, c'est stressant. Et... je peux aller par là. Je peux détruire ça. Toi. Et maintenant il faut que je pirate, je crois, et ça sera bon. Ouh, ça a pas l'air d'être un piratage facile. Non, ça marche pas. Non plus. Non plus. Chier. Non. Faut que je les sauve. Oh oh, je vais pas y arriver. Toc toc, yes. La technique, non, c'est de la triche, mais... que voulez-vous que je vous dise? J'ai un petit faible pour les tricheurs. Alors, bravo Batman. Félicitations. Putain, deux secondes près. Ah là là, on m'aurait dit que j'arrêterais à deux secondes près le truc. J'aurais dit que c'était un cliché, mais... pour le coup, je me suis vraiment... j'ai vraiment arrêté le truc. Dernière seconde. Bon, est-ce que je peux les sauver maintenant? Non, ils restent attachés. Ils sont morts? Non. Non, ils sont pas morts. Il y a une façon, à mon avis, de les détacher. Est-ce qu'ils vont ces fils? Ah non. Je crois qu'on s'en fout, en fait. On avance.
Ah, bien tenté. Mais tu ne t'en sortiras pas. Tu vas devoir rester ici jusqu'à ce que je fasse entrer les clients de l'hôtel. Je sens que ça va saigner. Tu as tout un tas de petits gadgets amusants. Je suis un brin jaloux. Ah, j'essaie toujours de trouver une façon de m'occuper de ça. J'ai pas vraiment d'idée. Je m'ennuie. Ouais, j'arrive. Je ne trouve pas bientôt. Je vais faire la sieste en attendant Papa Noël. Alors, où est-ce qu'on doit aller avec ça? Pour activer la boîte à fusibles, où est-ce qu'elle est cette boîte à fusibles? Je crois pas que ce soit par là. Je voulais tester un truc. Non. D'accord, on va d'abord repérer la boîte à fusibles. Elle est là, ok. Ton optimisme est surprenant, étant donné ta couleur préférée. Ok, j'ai compris, il suffit juste de passer par là. Fail. Ouh, c'est juste. Ouais, faut que j'aille un peu plus loin pour avoir le temps de viser. Pas freiner. Voilà, on y est. Quelle imagination! Allez, sois réglo! Ne me force pas à prendre ta jolie ceinture! Qu'est-ce qu'il a? On joue à son jeu. Pas de problème. Si j'essaie de le faire sortir, il sera électrocuté. Je vais devoir suivre les règles. Oula. Coup de l'œil. Ça sent la cervelle de chauve-souris. Quand tu étais gamin, tu as déjà essayé de roter l'hymne national. J'ai jamais été doué pour ça. Mais ce gentleman prétend être beau. Histoire de nous amuser. Voyons comment il s'en sort pendant que je l'électrocute. Je sais faire quoi. Ça, c'est ce que je préfère entre tout. Ça me rappelle mon enfance, le goût du popcorn, les cliquetis des manèges, la puanteur des clodos morts qu'on retrouvait sous la promenade. Ah, c'était la belle époque. Ok. Pas pour expliquer comment je suis censé me sortir de là. Ah, ok, j'ai compris. Les couleurs en fait indiquent le truc. Celui-là, je crois, celui-là. Celui-là après. Et celui-là. Ok. Tout à droite. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ouais, on a réussi. C'était pas trop compliqué. C'est ton sens de l'humour. Tu n'as pas souri une seule fois de la soirée. Et tu connais le dicton, hein? Qui ne sourit jamais finit en macabée. Ok, moi j'ai juste sauté, je crois. Ouais. Allons-y. Salut! Ouh, salaud. Non, j'aime pas le salami. Maman répétait que je ferais un bon boucher. Je suis même excellent. Qui a laissé ça? Quoi? Tu me gardes pour la fin? Oh, le salaud. Je peux plus l'exécuter. Aïe. Je vais faire des ravages. Et plus personne. Fais chier. Ah. J'ai envie de m'occuper de lui. Oh le salaud. Je l'ai pas vu arriver. Ok, il en reste deux. Il va voir papa. Je suis même excellent. Ça va le faire. Ah, salaud.
Genre j'ai contrôlé ce truc. Pouvoir nous échapper. Hein. Ça c'est fait. Bon, je parle pas pendant que je tire pas. Lui il est sauvé. Qui êtes-vous ? Je vais vous aider. Il y en a encore. Ils retiennent mes collègues. Ils les obligent à. Vous en faites pas. Je vais les aider avant que ça tourne mal. D'accord. Faites vite.